Salut, salut et bienvenue dans un nouveau vlog. Alors là, il est 10h. Voilà, je vais me coiffer. Je dois filmer après le hall Allemagne, puisqu'on est en Allemagne samedi, et que j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Voilà, beaucoup de choses, mais pour vraiment pas cher. Vous verrez ça. Bah, vous l'avez déjà vu, vous, normalement. Attendez, je prends mon planingue. Comme ça, j'ai plus facile à me retrouver dans les têtes par rapport à ce que je vous dis. Oui, vous l'avez eu hier. Donc, voilà, voilà. En me coiffant, je vais vous expliquer mon petit week-end. Alors, le vendredi, une fois que je vous ai laissé, hein, bien sûr, comme d'hab, j'ai fait mon petit montage de mon vlog. Ensuite, j'ai fait une siestounette, comme ça. Me direz-vous. J'ai fait sortir les chichous le soir, comme ça, comme ils ne sortent pas le week-end, hein, à cause des chéris. Comme ça, ils ont pu courir plus longtemps. Normalement, je les ai fait sortir 2 heures, mais là, je crois qu'ils sont sortis presque 4 heures, donc ils étaient contents. Et le soir, j'ai refait maison. Bon, j'ai juste mis du vernis, voilà, tout simplement. J'avais pas trop envie de me casser la nénette. J'ai mis le Purple Rain de chez Ongle 24. Voilà, voilà, puisque de toute façon, j'attends de nouveau un colis Madame Glam, donc il faudra que je les refasse en vidéo. Donc là, je me suis dit, il fallait que je fasse vite. Hop, un petit coup de vernis, une couleur passe-partout pour l'automne, c'est très bien. Le samedi, j'ai tourné un réel, comme ça, j'étais maquillée pour aller en Allemagne. Du coup, mon beau-frère et ma belle-sœur se sont pétés l'incruste avec nous. Puisque comme j'ai rien fini tard le boulot, il a croisé son frère, hein, il l'a fait rentrer à son boulot, il a croisé son frère sur le parking et il lui a dit, ah bah vous y allez à quelle heure, parce que si vous y allez après 14h que ma belle-sœur finissait de travailler, on serait bienvenu avec vous. Donc chérie, il me dit on fait quoi, on y va après 2h ou... Bah, j'ai dit de toute façon j'ai raté pour y aller en amoureux puisque Sam il voulait venir avec, donc voilà, je dis, on peut attendre 2 heures, ça change rien. Moi, j'avais commandé le calendrier, donc il était de toute façon réservé, et le magasin fermait à 20h. Donc, l'un dans l'autre, c'était pas bien grave d'attendre 14h. Après, j'ai fait du bricolage. Je vais vous montrer ça juste après. Je suis trop fan de ce que j'ai fait. Vous voyez ici, j'ai fait une... Enfin, vous voyez, non, vous voyez pas bien, mais j'aime bien, ouais, j'aime bien faire ça. Une version d'hiver aussi, je vais faire une version de Noël et d'ailleurs on en a commandé un, donc pour ceux que ça peut intéresser, je les vends à 25€ parce que bon, c'est quand même c'est 3 moules différents, donc ça use beaucoup de résine, donc voilà, comme ça vous savez. En principe, j'essaye de faire tout le temps à peu près les mêmes prix, hein, 10, 15 et 25 pour les grosses pièces, 10 pour les toutes petites et 15 pour les un peu plus grandes, quoi, voyez. Voilà, ensuite donc on a été en Allemagne, mais comme j'avais dit à ma belle-sœur, puisque vous vous pétez l'incruste, oui je m'encarte dans le retour parce que je me coiffe, hein. Puisque vous vous pétez l'incruste et qu'on doit attendre pour y aller plus tard, et ben moi je dis que ça mérite bien un Galaxy Walk, mon restaurant chinois préféré qu'on n'arrête pas d'aller en ce moment. Donc du coup ils étaient partants, hein, ils sont toujours partants pour le resto, même si c'est eBay, hein. Et on arrive donc, on a été en Allemagne et tout, on revient, on a été faire les courses aussi, bon, avec mon beau-frère et ma belle-sœur au passage. Et quand on revient, on décharge les courses, on va au Galaxy Walk, sauf qu'il y avait un monde, mais un monde, ça faisait la file jusque dehors. Donc on a décidé de retourner au Panda, là où on allait avant qu'on teste le Galaxy Walk. Et à chaque fois que je vais au Panda, qui est beaucoup plus près de chez nous, enfin beaucoup, l'autre est pas loin, hein, mais bon, il y en a un qui a 5 minutes et l'autre qui a 12 minutes, quoi. J'étais pas bien, j'avais l'estomac à chaque fois dans les chaussettes, avec des haut-le-cœur et tout. Je me suis dit, c'est à chaque fois parce que je mange de trop et tout. Et quand je vais à l'autre, celui que je préfère, je mange plus. Mais je suis pas malade, je sens que j'ai trop mangé, hein, bien évidemment, mais je suis pas malade, j'ai pas la nausée, j'ai pas la gerbe, j'ai rien, quoi.
Et donc là, on va manger là. Ils ont tout remodifié, ils ont refait tout. Et ils ont essayé de, bah, de refaire un peu comme le Galaxy. Hein, puisqu'à mon avis, ils le sentent quand même. Parce que les sushis à l'autre, c'est exquis. Parce qu'en principe, quand je vais au Galaxy Walk, on se fait les assiettes apéro avec les petites bouchées chinoises chaudes, là, hein, frites et tout ça, là, les crevettes, les nems et tout ça. Je mange en principe 6 sushis, et ensuite, je me fais toujours une petite assiette avec des satés, quelques scampi, des trucs comme ça, bon, ouais, toujours dans les limites de ce que je peux manger, et un dessert. Là, on a été, j'ai mangé 3 ou 4 bouchées apéritifs. J'ai mangé 3 sushis, un ravioli vapeur, une boule de glace comme dessert et un tout petit bout de brownies. Et on est reparti de là. Je trouve pas ma poubelle. J'ai gerbé dans la voiture. Voilà. J'étais là comme ça. J'ai chéri, il faut que tu t'arrêtes, faut que tu t'arrêtes. En plus, j'étais à l'arrière puisqu'on était à 5. Je lui ai dit, il faut que tu t'arrêtes, il faut que tu t'arrêtes. Il n'a pas eu le temps de s'arrêter. J'ai fait vomito dans la voiture. Donc, Jerry était bien content. Et je n'irai plus à ce restaurant. À chaque fois, d'habitude, j'ai la nausée et j'ai des gros haut le cœur comme si j'allais vomir, mais je vomis pas. Et là, j'ai gerbé mes tripes, quoi. Donc, j'ai dit, bah, payer ce prix-là pour gerber, c'est un peu con, quoi, hein, quand même. Donc, après j'ai dû me bouger, hein, et j'avais encore la gerbe avant de me coucher, je me suis dit je vais encore faire un vomito, mais c'est sympa, c'est passé. Le dimanche, j'ai refait ma potion sirène, parce que je voulais tester mes nouveaux pigments, et du coup j'ai fait la vidéo des potions, donc c'est pour l'Alphabet Challenge, c'est UVW. Unicorn, vampire, wyvern. Je me suis pas cassé les nénettes. Trois lettres de l'alphabet dans une vidéo. Le cadrage est un peu approximatif, je suis désolée, mais j'ai un des flacons qui est hyper grand et c'était pas évident de bien cadrer. Voilà. Mais bon, vous verrez le principe quand même. J'ai fait du montage, j'ai fait la cage des titis et après j'ai joué. Le soir, j'ai regardé La Main, film d'horreur que j'avais été voir au cinéma avec mon frère qui est sorti sur l'IPTV. Il y a Barbie ce soir. Aujourd'hui, c'est Barbie que je vais regarder depuis tant que j'attends ce film. Donc voilà pour mon week-end. Attendez, je range mes tifs. Je range mes bouts de tout fait. Ouais, en Allemagne. Alors. Le DM, on a été, j'ai fait livrer mon calendrier de l'Avent là-bas, pour être sûr qu'il y en ait en stock. Il y en avait sur place, donc j'ai payé 5 euros de frais de port en plus pour rien, puisqu'il y en avait sur place. Mais dans le doute, je préférais faire livrer, parce que comme j'étais pas sûr, c'est un peu con qu'on se pointe sur place, qu'il n'y en ait pas, et qu'après je dois le recommander, et qu'on doit y retourner dans les 5 jours, quoi. Donc voilà. J'ai payé 5 euros plus cher, 4,95€ pour être précise, mais ça reste très 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 correct niveau prix. Et après, pour le panier, on a un gros sac, on en a eu pour 43€, je crois. Et on a été dans un autre magasin après de déco. J'ai fait des affaires, les gens. Enfin, vous avez déjà vu le haut. Donc là, il me reste à vous montrer mes petites décos et puis on pourra déjà switcher de jour. Donc je vous reprends, je vais vous montrer celle qui est là, je vais mettre celle d'hiver à côté. Je vais refaire le même principe pour Noël avec un Père Noël au milieu, vu que j'ai un Père Noël. Et pour Halloween, je voulais faire la même chose, mais comme il faut que j'économise ma résine, en plus on vient de m'en commander un comme ça, je vais faire autrement. Voilà, mais ouais, je vous ferai ça en vidéo. De toute façon, ça va être les décos. Moi, je vais commencer. Là, il me reste une vidéo make-up. Alors, attendez. Une, deux. Bon, il me reste 4 make-up, hein, puisque je vous en fais un par semaine. Mais en vidéo, il me reste un haul Temu. Le nail art d'automne. Donc, en tout, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, 9 vidéos à tourner avant d'attaquer les vidéos d'Halloween, parce que j'aimerais bien que
toutes mes décos d'Halloween soient faits avant que j'attaque les make-up, comme ça vous les voyez dans le fond, ça vous donnera peut-être plus envie de les regarder. Et du coup, le live potion, puisque hein, vous vouliez que je fasse des potions en live aussi, je l'ai mis le 20, comme ça, ça attaque la... Je voulais les faire en vidéo, de toute façon. Donc comme ça, ça attaque la semaine de... Enfin, la série d'Halloween. On l'attaquera en live avec des potions. Et comme ça, vous mettrez à choisir les couleurs, les décos et tout ça. Et voilà, voilà. Ouais. J'ai rien d'autre à vous dire, je crois. Là, je suis en train de surveiller, voir si mon colis TMU arrive aujourd'hui. Il est 10h, mais des fois, ça s'actualise qu'à midi. Donc, comme ça passe directement de en préparation chez l'envoyeur à en livraison chez moi, c'est un peu chiant. La gagnante du concours des 11 ans a reçu son lot aujourd'hui. Elle est super contente. Donc, voilà, moi, ça me fait plaisir quand ça vous plaît. Et voilà. Ouais. Bon, allez, je vous montre mes petites décos. Donc, voilà ce que ça donne pour mes petits gnomes automne et hiver. Mais il ne veut pas faire le focus, hein. Donc, on va se concentrer d'abord sur l'automne. Voilà, voilà. Avec des potirons, bien évidemment, des citrouilles. Hein. Donc, ça, c'est un moule. Normalement, c'est la maison d'Halloween. Je vous montre à l'arrière, je l'ai mis à l'envers. Hein. Voilà. Mais je voulais juste un potiron, enfin une citrouille, et comme j'ai pas encore reçu mon moule, je l'ai mis comme ça. Ça, c'est normalement, c'est un moule que Maryse m'a envoyé pour faire des vases. Et ça, c'est un des gnomes qu'elle m'a envoyé aussi. Et voilà, j'ai mis une petite chouette au-dessus, encore une citrouille et des pommes de pin. Et j'ai mis une guirlande. Alors, oui, si vous m'en commandez, c'est sans guirlande parce que j'en ai plus. Il m'en reste pile pour faire ce que je veux faire encore pour mes fonds. Voilà, ça aurait été bien d'avoir une rouge ou une jaune, mais j'en avais pas. Et ça, c'est celui d'hiver, donc ça, normalement, c'est un pot, toujours le vase, toujours le même gnome, puisque j'ai deux fois le même, avec des petits sapins, des petits flocons, des petits pompons, des fleurs d'hiver, et qui s'allume aussi, mais en bleu. Voilà, je suis trop contente. Je trouve ça sublime. Voilà, j'ai hâte de recevoir mes autres petits gnomes. Et du coup, j'ai refait ma potion l'arme de sirène. Voilà, je l'ai fait comme ça, en plastique. Et ça fonctionne trop bien avec mes pigments là que j'ai commandé sur Temu. Je suis trop contente, mais il ne veut pas faire le focus dessus. Allez, c'est sympa. Oh, oh, oh. Voilà. C'est trop beau. J'adore. Ça, je vais les mettre en haut en déco pour les fonds vidéo. En haut. Voilà. Et donc, voilà. Alors, j'ai demandé à Chérie de me préparer. Je lui demande depuis 4 jours de me préparer tout ce qu'il fallait pour repeindre cette partie-là du mur. Oui, je n'ai pas trop... Je n'ai pas repeint tout le salon, c'est juste pas possible. Mais repeindre cette partie-là, puisque là, on a le tableau qui avait gratté. Ici, bah, je ne sais même pas c'est quoi qui avait gratté... qui a fait les tâches comme ça, puis bon, on a les tâches à cause des animaux et tout ça, il ne l'a toujours pas fait, donc il faut que je le rappelle ce soir, et voilà, maintenant j'ai rangé ça, et puis je vais tourner mon hall Allemagne, et voilà, comme ça je vais pouvoir jouer un peu avant d'aller à la sieste, après il faut que j'attaque tous mes montages, et voilà, voilà. Donc, ben sur ce, ensuite je joue, oh là, je suis très blanche hein, avec mon anneau juste en face de ma tronche, allez. Alors, il est 9h10, voilà. hier, je me suis rendu compte d'une big boulette. Moi qui essaye de prendre de l'avance pour mes vidéos, pour pouvoir attaquer Halloween, je me suis rendu compte qu'il y a deux vidéos que j'ai fait en mettant le logo d'automne, sauf que j'ai oublié que le fond noir, il fallait que je l'enlève. Et moi, j'ai posté mes vidéos, enfin programmé mes vidéos et tout. Et je m'en suis rendu compte au bout de deux vidéos, en faisant un montage hier, que je me suis rendu compte, mais si mon écran est tout noir. Et en fait, voilà. Donc, comme je supprime mes rushs au fur et à mesure, je ne peux pas refaire le montage. Donc, j'ai dû supprimer les deux vidéos. En fait, il y avait ma voix, mon logo, et c'était tout noir. Voilà. Mamie Boulette a encore frappé. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une boulette en montage.
Donc je les ai supprimés, c'était la Fairy House et les livres, donc je vais vous montrer ça, je vais vous montrer le résultat juste après. On va également après aller en rouge, je vais faire une petite rotation make-up puisque on va passer aux produits d'automne, enfin aux produits d'automne, au teint d'automne j'ai envie de dire. Et j'ai dû également hier vous poster je vous ai mis une story Insta pour vous dire que j'avais annulé le live, donc vous auriez dû avoir vendredi sur le jeu. Puisque mon frère est passé hier avec ma belle-sœur et il m'a dit ben vendredi on va au cinéma voir la nonne 2. Donc j'ai annulé le live forcément, je peux pas être au cinéma et avec vous. Donc voilà, vendredi on va au Cinoche avec mon frère voir la nonne 2. Ce qui veut dire que je vais encore avoir les miquettes et que je ne vais pas dormir pendant une semaine. Voilà, c'est pas une question que le film me fait peur, c'est vraiment la tête de Valak. Hein. Je vous l'ai déjà expliqué, il y a la tête de Valak et de Regan dans l'Exorciste, c'est deux têtes qui me traumatisent. Mais vraiment, je sais pas pourquoi, hein, parce que Valak n'est pas plus laid qu'un autre démon ou quoi que ce soit, mais non, Valak je peux pas. Il me fait peur, mais je sais pas pourquoi. Il me fait vraiment peur. Et le mois prochain, c'est l'Exorciste Dévotion. Oh, j'ai trop... Ils le font bah, vendredi, ils font une Horror Night, ils le mettent en avant-première, mais du coup on peut pas aller voir les deux, et comme l'autre, l'exorciste est censé sortir que le mois prochain, on pourra retourner le voir quoi. Mais j'ai tellement hâte, j'ai un cheveu, j'ai tellement hâte d'aller le voir, je suis plus impatiente d'aller voir l'exorciste que la nonne. Mais la nonne, faut quand même que j'aille le voir quoi, c'est voilà, c'est un dossier Warren. Mes films d'horreur préférés, je suis obligé d'aller voir. Et j'ai vu que Aquaman sortait le 20 décembre, Aquaman 2. Wouhou, ça j'y hâte aussi, j'adore. Donc ça, on ira certainement le voir au cinéma aussi. On essaye d'aller une fois par mois avec mon frère. Bon là, Sam vient avec nous, les enfants viennent pas toujours, hein, que ce soit les siens ou les miens, voilà, ça dépend un peu. Donc, voilà, là je vais aller préparer la bouffe des chiens, me refaire un café, prendre mon linge. Je vous prends pour vous montrer les décos, que du coup les vidéos ont été supprimées, mais au moins vous verrez le rendu. Et après je vous reprends en haut pour faire une petite rotation. Et voilà, aujourd'hui j'ai pas grand chose à faire à part des montages. Je filme pas ma vidéo make-up aujourd'hui parce que je pense que je vais avoir ma commande Temu aujourd'hui. Bien que ça n'a pas l'air de bouger des masses, mais des fois ça bouge qu'à midi, donc je vais attendre encore un peu, sinon je pense que je l'aurai demain, puisqu'elle a été libérée des douanes, donc en principe ça va assez vite une fois que c'est passé les douanes. Comme ça je peux enchaîner la deuxième partie en étant maquillée, mais au pire ça sera un no make-up, hein, en no make-up, puisque j'ai fait le haut l'Allemagne hier, j'ai tourné le haut l'Allemagne que vous avez eu hier du coup, pour vous. Je l'ai fait en no make-up, hein. Je ne suis pas trop cassé à la nanette. Et j'attends toujours que Chéri me prépare la peinture pour repeindre mon petit bout de mur. Là. Voilà, j'attends depuis vendredi. Et je ne sais pas où il est. Il m'a dit qu'il en restait hein, de la peinture comme ça, mais je ne sais pas où il est. Donc, il faut que j'attende qu'il soit là. Puis de toute façon, dans la buanderie, c'est tellement un bordel dans ces outils et tout ça que je ne sais même pas si je vais trouver un rouleau. Hein, pour... Je sais pas si je vous ai dit, mais on a reçu les meubles de la salle de bain aussi. Ils sont beaux. Oh là là, ils sont superbes. J'ai vraiment hâte que ça se fasse. Là, j'avais dit à chérie hier, je serais peut-être tenté de bouger un peu. Hein, parce que c'est bien beau d'avoir tout le matos. Si les travaux se font pas, ça traîne, quoi. Moi, j'ai horreur que ça traîne. Surtout que ça me prend toute la place. Et quand on va recevoir la paroi de douche, je sais pas du tout comment ce qu'on va faire. Alors, pas du tout. Parce que s'il ne bouge pas le placo... dans le couloir, on ne sait pas mettre la paroi de douche dans le placo, dans le couloir, et je peux pas la mettre ailleurs, donc faut qu'il se bouge. Je sais même pas si elle va passer les escaliers pour la monter d'ailleurs. Ouais, si elle fait 1,50 m de large, donc il faut qu'il la monte dans l'autre sens. Ça c'est de merde, hein, c'est pas moi qui fais. J'ai mon pot de colle collé à mon cul hein, hein, sur mon fauteuil bien sûr. Elle est pire que les voisins avec les places de parking. Dès qu'on bouge, un peu de place. En plus, ils se gardent comme des trous du cul, les voisins, quoi. Normalement, c'est mettre 5 voitures, là, sur les places de parking juste devant chez moi.
avec eux, il n'y a que trois voitures qui savent se mettre. Tellement ils se garent à des distances. Merde, vous avez trois parkings, un parking privé, un souterrain et un à l'arrière. Utilisez votre parking et laissez-nous les places de parking devant la porte, quoi. Merde. Je vous jure, m'énerve. Voilà. Ouais, je vais aller faire ça et je vous reprends après parce que je crois que j'ai rien d'autre à vous dire. Et comme ça, si je repense à autre chose, je note pour pas oublier de vous le dire. Ouais, je vais prendre mon linge, faire mon café et nourrir les chiens. Donc, voilà ce que ça donne les deux DIY que j'ai pas. Du coup, que je peux pas vous montrer. Le truc qui perd les épines là. Donc, c'est mes petits livres. Voilà, j'adore ce moule. Là, j'ai mis des charnières pour faire vraiment une jolie boîte. Mais le problème, c'est que la façon dont je les ai mis, ça écarte ici. Donc, il faudrait que je trouve un autre système pour les mettre. Donc, voilà ce que ça donne. Hein. J'ai collé des strass. Ça, c'est un truc que j'ai fait aussi en résine avec un moule. Et j'ai écrit Book Off. Et j'ai collé des stickers pour nail. Là, voilà. J'ai mis du scotch ici aussi, enfin du washi tape, du masking tape, oui, masking, enfin du tape quoi, parce que les coins étaient mal faits. Et le deuxième, donc du coup, j'ai pas mis les charnières, je l'ai fait comme ça puisqu'il fallait qu'il soit à plat. D'ailleurs, là, il y a un bout qui est tombé déjà, puisqu'il fallait qu'il soit à plat pour pouvoir poser l'autre dessus. Donc voilà, c'est tout simple, mais ça donne vraiment bien. Et vous voyez, si je mets les charnières ici à l'extérieur, il faudrait que j'essaye, mais bon, voilà. C'est une petite boîte, enfin deux petites boîtes du coup, et je trouve que ça fait vraiment très chouette. Le rendu donne vraiment très bien. Et l'autre, c'était donc ici, ma petite Fairy House d'automne. Voilà, elle est très jolie, très automnale. Bébé Luna a déjà été donné des coups de dents dedans. Ça, c'est Bébé Luna, ça aussi. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. Putain, j'ai pas vu qu'elle avait été sur l'étagère. Oh, la petite conne. Et voilà ce que ça donne. Donc, je me suis amusée à faire tous les petits champignons, les petites courgettes et tout, les petits ronds. Je trouve ça très beau. Et voilà, ça avec un pot de Nutella et de l'argile, comme d'habitude, que j'ai peinte. Et j'aime beaucoup le rendu. Et ça donne très bien sur mes petits bouts de bois, là, comme ça. Bon, celui-là, il faut vraiment que j'enlève les yeux et que je l'aime parce qu'il fait peur. Il fait vraiment très peur. Ma petite mandragore que j'aime toujours beaucoup, beaucoup. Voilà, j'ai refait un kitsune plus clair avec une perle rose, mais je l'ai mal mise. Je crois que c'est tout en résine. J'ai pas fait. Si, j'ai fait les petites décos là, que je vous ai déjà montrées, mais voilà. Je sais plus si je vous l'avais montré le kitsune, mais voilà, voilà. Bon, je vous reprends. Mon mouton fait toujours aussi peur. Hein. Je vous reprends en haut pour la rotation. Je vais vous montrer aussi, j'ai installé les trucs que j'ai achetés dans le hall. Je les ai installés dans mon fond. Et j'ai oublié de vous dire, hier soir, je suis arrivée à la fin de mon jeu. C'est fin. La fin de la quête, des quêtes principales, quoi, de l'histoire principale. Maintenant, il y a toutes les quêtes secondaires, les quêtes de métier, les quêtes d'amitié. Les découvertes et tout ça, mais voilà, je suis arrivée à la fin, donc j'espère quand même qu'il y aura du contenu supplémentaire. Hein, allez, arrête de fouiller dans mes affaires. Donc je vais vous montrer ça et on fera la petite rotation et on pourra switcher deux jours comme ça. Voilà. Du coup, j'ai changé, j'ai mis mon Bambi là, j'ai mis le petit gnome ici. C'est trop beau, trop mignon, trop mignon, trop mignon. J'ai mis le Bambi noir à paillettes ici. Comme ça, ça donnera bien. Et celui qui est couché en gris, je l'ai mis comme ça. Et là au-dessus, j'ai changé, j'ai mis ça, puisque je vais pouvoir installer les autres potions. Il faut que je fasse les close-up. Voilà, ça sera sympa, les potions pour Halloween, de toute façon. Et voilà, voilà. Bah, écoutez, pour ça, on est bon. Bon, là, c'est un peu le foutoir, hein, partout ailleurs. Là, tout au-dessus, je stocke le reste, puisque... D'ailleurs, les plumettes, il faudrait que je les enlève parce que je ne les utilise pas. Riley, arrête de fouiller dans mes affaires. Mais je stocke tout là au-dessus, en fait, tout ce que je n'installe pas dans mon fond. Mon Stitch, je ne peux pas le mettre en dessous comme je le mettais avant, puisque sinon, elle me le pique. Connaisse. Alors, pour ma rotation, je vais déjà changer mes pinceaux, qui sont crades, voilà, tout simplement. Donc, je prends des nouveaux pinceaux.
bronzer et blush, highlighter, et il me faut contouring de nose. Et pour comment mon arcade sourcilière, alors contouring de nose, je vais prendre celui-là de chez Catrice. Je prends toujours un boule hein, pour le faire. Et pour mon arcade sourcilière, j'aime bien les comment ça s'appelle les tamis là, comme ça. Ça c'est si c'est tamis, sûr. J'aime bien la forme qu'ils ont pour poudrer l'arcade sourcilière. Alors, en base, j'ai toujours la marshmallow. Je ne l'ai pas terminée, bien que j'arrive au bout. Donc, après, il faut que je regarde dans les produits que j'ai d'entamés parce que j'ai plein de trucs d'entamés. Fond de teint, pour l'instant, j'ai toujours les deux là qui sont entamés. Donc, le Shiglam Coquille Shell et le Moonshot là, que j'avais eu de la part de Stylevana. J'aime beaucoup, c'est un cushion. C'est celui que j'utilise le plus en ce moment. Quand je vois un peu moins de couvrance, j'utilise celui-là. Donc ça, je vais garder. Fond de teint poudre, j'ai toujours le Catrice. Donc là, il est encore... ouais, j'ai encore assez. Mes poudres. Toujours celle à la fraise pour l'instant. Et, oups, la matifiée de Delena. Celle-là, j'arrive au bout, mais après, je change, j'en mets une autre. Le spray fixateur, je vais continuer avec le XX pour l'instant. Ça, il est fini. Il faut que j'en prenne un autre. Donc, attends, regardez, j'ouvre mon tiroir à bras-cup. Je vais prendre un XX, tiens. Voilà. Il faudra que j'enlève le carton. Ça bouge pas pour poudrer mon arcade sourcilière. La base, je peux la changer. Il me reste plus grand-chose. Hein. Il me reste ça, mais elle commence à être un peu dégueu. Donc, on va en mettre une nouvelle. Ça va dans les produits finis. Voilà. Alors, en bronzer, je vais enlever le Nabla, que j'aime beaucoup, mais je vais l'enlever quand même. Et je vais peut-être sortir le Corazonat. Tiens. Oui, je vais sortir le Corazonat. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Je vais enlever la palette By Terry. Parce que c'est très lumineux. Donc, je ne l'ai pas beaucoup utilisée. En fait, elle sent vraiment très, 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 très fort la rose. Et c'est un peu dérangeant. Mais voilà. J'enlève donc la Alice. Celui-là, je l'ai bien utilisé. Et le Nala. Ouais, c'est le Nala. Que j'ai bien utilisé aussi. On voit, hein, je commence à effacer le soleil. Mais je l'aime trop. Alors en blush, ah, d'ailleurs celui-là je pourrais le mettre en vente parce que je l'utilise pas, il fait des taches. Je vais prendre le KVD, le Rosebud, mon préféré pour l'automne-hiver. J'adore ce blush, gros coup de cœur pour ce blush. J'adore ce blush. Et je vais prendre lequel je vais prendre. J'aime bien avoir toujours un dans les teintes un peu rosées et un dans les teintes orangées. Ah bah tiens, je vais sortir un peu la Glam Shop. Bon, il est lumineux, mais non, trop lumineux. Je vais pas encore prendre la Moira. Hein. C'est ma préférée, mais bon. Attendez, hein, je réflecte. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme blush? Oh, ben, je vais prendre le Harmony de chez Tarte. Voilà. J'en mets que deux, mais quitte à faire la rotation plus souvent. Alors, les highlighters, je vais enlever le B&B You et le Ice and Bright de W7. Je vais reprendre mon Edwige parce qu'il me manque. Voilà, quand je ne l'utilise pas, il me manque. Ah non, je vais mettre celui-là aussi, le blush. Oh là là, un de mes préférés aussi. Et je vais mettre les highlighters, j'utilise tout le temps les mêmes.
Oh bah tiens, je vais sortir celui-là un peu de route cosmétique. Ça fait longtemps, je ne l'ai même pas utilisé vraiment beaucoup. De toute façon, j'ai toujours ma petite palette ici. Donc voilà, je vais juste mettre ça en plus. Et on est très bien. On est très bien. Et ben voilà, écoutez, ma petite rotation, elle est faite. Le plumper, c'est toujours le même. Le crayon, une fois que j'ai fini, ça sera le même. Pour l'instant, j'utilise le mascara sourcils de chez NYX, que je ne suis pas hyper fan, mais bon, je l'ai, il faut que j'utilise. Et voilà, ça c'est pour descendre. Ça va dans les produits finis. Ça, je vais mettre sur Vinted parce que je ne l'utilise absolument pas. D'ailleurs, je vais mettre celui-là. Bon, celui-là, non, je vais l'ajouter. Bon, pareil, le mini, je vais ajouter dans les cadeaux Vinted quand je fais une grosse vente parce que, voilà, j'aime pas trop vendre des petits prix comme ça. Je regarde. Ah, je vais mettre le Focalure d'Highlighter aussi. Ouais, allez hop, soyons fous. On en met trois. Et voilà. Donc, sur ce, on se toujours. Hello. Oui, je suis dans mon bureau. Je viens de finir de filmer. Il est 9h30. Je viens de filmer ce make-up et l'intro d'une autre vidéo. Alors, j'ai reçu mes pigments caméléon de chez AliExpress. Il était dense, encore une fois, il était très long. J'attends encore un lot de deux lots de pigments. Et il y a encore un truc que j'attends, non? Ah oui, le lot de paillettes. Ça arrive pas, ça arrive pas. Là, j'attends ma dernière partie de ma commande Temu. Enfin, avant-dernière en vrai, mais j'ai pas besoin de la dernière pour vous le filmer, vu que c'est des moules en silicone, je vous mettrai les photos. Pour filmer la deuxième partie de mon haul. Et j'ai refait une commande hier. Mais ça sera un autre thème, enfin, vous verrez. Ça sera un haul spécifique. Ce sera pas du DIY pour une fois. Et en parlant de Temu, j'ai enfin les liens d'affiliation. Enfin, le lien de parrainage. Ils appellent ça affiliation, mais c'est plus du parrainage. C'est valable que pour les nouveaux clients. Donc, si vous avez déjà un compte, ben, rien ne vous empêche de changer d'adresse mail pour passer par mon lien que je vous mets en barre d'infos. Donc, c'est valable que pour les nouveaux clients. Si vous abonnez, si vous créez un compte via mon lien, je gagne, je crois, 20% de vos commandes. Si j'ai bien compris, hein, je ne sais pas si j'ai tout compris. Et si vous installez également l'application et que vous vous connectez via l'application, je gagne 2 euros, je crois. Ou 3, je ne sais plus. Ben voilà, c'est un truc comme ça. Mais je gagne des petits sous si vous passez par mon lien d'affiliation. Enfin, ouais, c'est un peu une affiliation, mais je dirais plutôt un parrainage, moi, quand même, parce que c'est que pour les nouveaux clients. Si vous avez déjà un compte, ça sert à rien de passer par mon compte. Il faut que vous validiez votre commande aussi en passant dessus pour que le truc s'active. Mais voilà, comme ça vous avez l'info. Du coup, j'ai renvoyé un mail à Temu puisqu'il m'avait dit que tant que l'affiliation n'était pas disponible en Belgique, les partenariats c'était compliqué. Ce que je comprends pas trop. Maintenant, j'ai envoyé le mail. Ils m'ont filé un lien qui marque que j'ai pas droit à l'affiliation. Donc c'est un peu chelou. Je vais contacter Temu directement sur le service client du site pour voir si j'ai bien le bon adresse mail des partenariats. Parce que voilà, j'ai un petit doute, les tentatives d'arnaque et tout ça, on en a tellement. Je reçois tellement, tellement de mails de partenariats pour des grandes marques et tout ça. Ou Shein. Maintenant c'est Temu. Enfin, qui vous promettent de gagner, de recevoir pour 1000 euros de produits par mois. Enfin, vous voyez, donc voilà, je ne chine que très rarement les partenariats, sauf vraiment si ça m'intéresse, comme là, Temu. Bah, après, le partenariat, c'est parce qu'il m'intéresse le plus, recevoir des produits gratuits, vu les prix, c'est pour. Mais le lien d'affiliation, ça oui, parce que ça va m'aider à payer mes prochaines commandes. Voilà, donc n'oubliez pas de passer par mes liens si jamais vous n'êtes pas encore client ou de refaire carrément un nouveau compte, au pire. Et voilà, donc là sur AliExpress, j'ai reçu mes poudres holographiques. J'ai pris un plus gros format, il y a 12 Caméléon Pigment Power Colors. Donc voilà, il y en a des très 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 beaux. Alors on ne voit pas vraiment comme ça. Les 4 en dessous, c'est ceux que j'ai déjà. Donc je vais les stocker dans un autre compartiment.
Et ça, c'est les 8 nouvelles. Il y en a qui sont canons. Ici, par exemple, on a Bleu Mauve. J'ai trop hâte de tester dans de la résine. C'est. Bon, là, on dirait pas hein, comme ça, mais j'ai trop hâte. Ici, Mauve Vert, comme ça, turquoise. Oh là là, il y en a, j'ai vraiment. Celui-ci, il a l'air canon. Voilà, j'ai vraiment hâte de tester ça dans mes petits bricolages. On m'a demandé comment ça s'utilisait ce genre de truc, à part pour mettre dans la résine. Est-ce que vous voulez que je vous fasse une vidéo complète dédiée aux pigments, les mica, quoi, en fait, pour vous montrer toutes les utilisations que vous pouvez faire, parce qu'il n'y a pas que pour les DIY que ça sert, hein, voilà, make-up, ongles, fimo, mais il n'y a pas que en résine que c'est utile, quoi. Donc si ça peut vous intéresser, ben, dites-moi ça en commentaire et je vous ferai une vidéo, peut-être pour le calendrier de l'Avent de Noël, tiens. Ou novembre, je ne sais pas encore, suivant mon planning, j'ai pas mon planning sous les yeux, donc voilà. J'ai mis du gloss, donc je bave. C'est dégueulasse. Là, je viens de préparer le reste de mon crayon Sephora, le reste de mon liner essence et ce mascara là, ainsi qu'un petit pot de paillettes que j'avais eu de la part de Stylvana pour quand je dois me maquiller rapidement en bas. Voilà, j'utilise mes highlighters hein, en principe, mais si je veux un peu plus de paillettes, je peux rajouter ça. Mais comme ça, je peux me maquiller parce que mon panier a teint pour ma rotation et en bas, je me maquille en bas le teint. Je fais que les yeux en haut quand je fais une vidéo en fait, sinon je fais tout en bas. Comme ça, je suis devant mon PC, j'écoute une vidéo en même temps. Donc comme ça, voilà, si je dois juste faire une petite intro ou quoi, et que j'ai quand même envie d'être un peu coquette, pas toujours en mode guenuche, parce que voilà, vous en avez peut-être marre de me voir en mode guenuche. Donc du coup, je me suis dit, je vais descendre ça, et voilà. Je vais prendre le baume à lèvres aussi, Shiglam Écorce Pay White, là. Il est trop beau, mais ça sera juste pour nettoyer mes lèvres quand j'ai fini de faire mon teint. Puisque j'ai terminé l'autre, le soda là. Donc voilà, ça je vais laisser ici, ça peut toujours m'être utile. Et donc voilà, je sais pas du tout si je vais recevoir. Non, je pense pas. Je vous montrerai quand je les aurai reçus les autres pigments. C'est des effets sirène coquillage, hein, slash coquillage, et des colorés simples. Donc voilà, j'attends. Là, je vais voir. Je vais recevoir mon colis Temu aujourd'hui, mais je ne sais pas du tout à quelle heure. Donc je pense que je filmerai le reste du haul en fin d'après-midi. Après la sieste, quoi, une fois que j'aurai reçu, parce que de toute façon, colis privé vient toujours après ma sieste. Ils sont trop sympas. Hein, il est vraiment sympa le livreur en plus, le monsieur. Mais enfin, il est venu avec sa femme pour lui montrer le chien. Ryan. Donc voilà. Là, j'étais en train de filmer ma vidéo make-up et on a d'abord Riley qui fait des bruits chelous parce qu'elle essaye de se gratter l'oreille et après, elle se lèche la nouille. Mais écoutez, j'ai envie de vous dire, grand bien te fasse ma cocotte. Donc, ben voilà, écoutez, je pense qu'on peut déjà switcher le jour. J'ai plus rien d'autre à vous dire. Je réflecte, hein, vous avez l'habitude de me voir réflecter. Non. J'avais rien d'autre à vous dire. Je voulais vraiment vous dire pour Temu parce que quand j'ai vu hier que j'avais accès à l'affiliation, j'étais trop contente. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un compte hein, si vous voulez m'aider pour mes futurs achats. Et voilà. Donc sur ce, bah écoutez, on suit toujours. Alors, il est 9h. 9h05, très précisément, pour faire l'horloge parlante. Hier, j'ai reçu une partie un haut Temu, enfin une commande Temu. Hein, j'en attends encore 3 ou 4. 3, pour être précise, puisque j'en ai refait une hier. Voilà. Donc ce matin, j'ai déjà été à la douche. Je viens de sortir de la douche. Enfin, je viens de nourrir les chiens. J'ai été à la douche. J'ai fait un montage. J'en ai encore 2 à faire. Et il faut absolument que je filme une ou deux vidéos DIY. J'aimerais bien jouer un petit peu sur Disney aussi pour avancer dans mes quêtes. J'ai déjà fait mes patchs pour les yeux et ensemble on va faire le masque là que je vous ai présenté dans le haul que vous avez eu hier là, de chez DM en Allemagne. J'ai trop envie de le tester, c'est trop beau. Vitamine B12,
Bon, c'est pas écrit en français, hein, c'est tout écrit en allemand, alors. Ah, ils disent de le laisser poser 25-30 minutes là. Dans le bain. Et ils disent dans le bain. J'ai pas de... Enfin, si j'ai une baignoire, mais je prends jamais de bain. Et d'ailleurs, la baignoire va bientôt couper, j'espère, un jour. Hier, j'ai reçu donc ma commande Timu. Et je dis au livreur, on se voit beaucoup trop. Hein. Les chiens reconnaissent la camionnette. Quand il est en bas de la rue. Et puis, du coup, il se foutait de la gueule de mon pyjama. Il me dit, oh là là, qu'est-ce que vous êtes bien habillé, surtout les chaussettes. Et mes grosses chaussettes pilou-pilou à chaque fois. Là. En plus, j'étais maquillée, vu que j'avais tourné la vidéo make-up. Ouais, il prendra l'habitude, hein, comme le facteur. Le facteur, il est plus choqué maintenant de me voir... des fois à moitié habillé. Enfin, à moitié habillé, pas à moitié à poil, hein, mais pyjama en bas, et puis un beau top et un beau make-up au-dessus. Et pyjama et pilou 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 en bas. Il est super fin, hein, j'arrive pas à le déplier. Il sent bon. Il sent le propre, le frais. J'arrive pas à le défaire. Je vais me battre pendant une heure avec, avec mon masque là. Donc il se foutait de la gueule de ma tenue, puis après il a essayé de caresser le chien, Ryan. Je lui ai dit, ça va être tendu avec lui, hein. C'est une vraie chachotte. Oh là là, il est compliqué, il est super fin, il doit bien tenir sur la face celui-là. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de masque, pas longtemps, tout est relatif. Normalement j'essaie d'en faire au moins deux par semaine, mais je crois que j'en ai pas encore fait cette semaine. Bon, dès que je le dis, hein. Un week-end, si j'y pense. Ah oui, alors pour TMU, je vous ai dit, donc j'ai l'affiliation, là, enfin, parrainage, plutôt on va dire. Et donc, c'est que pour les nouveaux clients. Et j'ai un code également pour, donc je vous mets ça en barre d'infos, pour l'application. Voilà. Mais pareil, pour les nouveaux clients. Ouh, c'est fraîche. Very fraîche. Ah, il va bien tenir celui-là. Je suis dans le retour caméra, alors je vois pas ma face. Je vois pas. Je vois pas qu'est-ce que j'ai fait. Voilà. Il est beau. J'aurais dû en prendre un pour Manon. Voilà, un petit peu dans le cou. Ouais, donc le livreur hier de chez Colis Privé, ça foutait de la gueule à mon pire. Il me dit, oh, pour une fois que j'ai le temps d'essayer de caresser le chien. Le chien s'est avancé un tout petit peu près de lui, il est accroupi devant la porte, le monsieur. Il s'est avancé un tout petit peu près de lui. Et quand le monsieur il a tendu la main, le chien il a cavalé dans l'autre sens. Je me dis, c'est une vraie chouchoute. Il est beau, hein. Je le vois mieux avec mes lunettes. Faut que je fasse mon accessoire aussi pour un make-up d'Halloween, parce qu'il va être long à faire celui-là, je pense. Faut que j'aille voir en gros, j'ai pensé à une autre technique que ce que j'avais pensé de base. Je vous en dis pas plus, hein, parce que j'ai pas trop envie de vous spoiler sur, sur Halloween. J'ai vraiment hâte d'attaquer. Tout à l'heure, j'ai été voir sur, sur Amazon. Bah, j'ai commandé des petits cabochons pour faire des yeux. J'ai vu ça sur un réel Instagram. La femme, elle utilise des demi-cabochons et à l'arrière, elle met du vernis à ongles pailleté ou holographique et des trucs comme ça pour faire les yeux de ses gugus. Donc, je me suis dit que j'allais tester pour... Il y a un espèce de petit monstre que j'ai vu aussi sur Insta que j'ai envie de faire pour Halloween. Donc je testerai ça. Et j'étais en train de regarder pour. C'est mon frère qui m'a conseillé ça, les appareils à ultrasons anti rat et souris, pour essayer de faire fuir Ratatouille là, parce qu'il se plaît chez moi. On a deux pièges hein, maintenant. Mais il sait les déclencher sans se faire prendre dedans. Et chérie va acheter de la morora et ça j'ai pas envie que le... Bon, apparemment il souffre pas mais bon ça m'énerve. Et mon frère
frère m'a conseillé des appareils à ultrasons. Lui, il en a un sous sa bagnole pour les fouines. Et là, je viens d'aller lire un peu en détail ce qu'il disait, et il disait que si on avait des rongeurs, c'était pas conseillé. Donc, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des rongeurs? Parce que c'est pet safe pour les chats et les chiens, mais ils disent quand même que si on a des rongeurs, c'est pas conseillé. Donc, les chichous sont des rongeurs, les titis non, mais ils ont quand même des grandes oreilles, donc ils sont quand même ultra sensibles au niveau des sons. Donc, je pense que les ultrasons aussi. Est-ce que si c'est dans la buanderie porte fermée, ça craint pour eux ou pas? Parce que j'achèterais bien juste pour tester, voir si eux ça les perturbe ou pas. Mais si c'est pour foutre 20 balles et que ça fonctionne pas, enfin, que je peux pas le mettre à cause des chichous et des titis, c'est un peu con quoi. Donc si quelqu'un a un appareil à ultrasons pour les rongeurs, rats et souris et compagnie, est-ce que vous avez des rongeurs chez vous? Est-ce que du fait que ce soit pas dans la même pièce, ça les dérange ou pas? Voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Après, quand la porte est ouverte, je peux le débrancher quoi. Hein. Je vais dire à chérie, on va acheter une rallonge avec un interrupteur, comme ça on n'a pas besoin de débrancher l'appareil, mais juste à éteindre l'interrupteur. Mais j'hésite, voilà. Donc dites-moi ça en commentaire, comme ça peut m'aider si jamais ça vous est déjà arrivé. Je sais qu'il a conseillé à un de ses potes aussi, qui avait du fouine dans son grenier, qui lui faisait plein de dégâts, parce que les fouines, c'est un enfer. Hein. Les rats, ça fait pas trop de dégâts, ça fait un nid et puis ça bouffe quoi. Mais les fouines, ça fait vraiment des dégâts, ça bouffe tout. Et il a mis un appareil comme ça à ultrasons. Du coup, il en a mis un aussi près de sa bagnole pour être sûr qu'ils n'aillent pas se réfugier dans la bagnole, donc dans le garage. Et il les entend plus, quoi. Ils sont plus là. Donc apparemment, ça fonctionne quand même assez bien. J'ai vu aussi dans les commentaires qu'il y en a qui disent qu'au bout d'un certain temps, les souris et tout ça reviennent parce qu'ils sont habitués au son. Maintenant, je pense que si vous ne le laissez pas tourner H24, ils ne s'habituent pas. Hein. Voilà. Après, ils disent aussi que c'est inaudible pour l'humain, mais nous, on en avait acheté un à ultrasons pour les mouches et les moustiques, et c'est un enfer pour moi. Moi, j'entends, mon frère entend la fréquence des ultrasons aussi. J'entends la fréquence des ultrasons, et c'est un enfer. Chéri, il dormait avec à côté de sa table, sur sa table de nuit, il ne l'entendait pas. Moi, c'était un enfer. Ça m'énervait, je l'entendais, et je lui ai dit, débranche-moi ça tout de suite, je vais commettre un meurtre. Et comme c'était, il n'y avait que lui à côté de moi, c'était dangereux pour sa vie. Donc voilà, mes petites histoires du matin. Je dois recevoir mes pigments, enfin je dois recevoir... L'envoi est entendu mais n'est pas encore au stade de tri. Ah, ça y est, ça a enfin bougé. Donc ce sera pour aujourd'hui ou demain. C'est le reste de mes pigments que j'avais commandé sur AliExpress là qui mettent un ton fou à arriver. Et voilà, bah écoutez, sur ce, j'ai rien de plus à dire aujourd'hui. Là, je vais laisser poser mon masque encore un peu. Je vais le laisser poser le temps que je fais mon montage, tiens, comme ça. Je suis tranquille. Ouais, Riley joue avec son pouet-pouet, ça. Donc, Allez, focus. Elle m'a foutu plein de bouts de bois. Faut que ça soit poussière sur la table aussi. Les chichous, je sais pas, ils ont foutu plein de sable sur la table hier. Je sais pas ce qu'ils ont foutu. J'adore quand elle joue comme ça sur le dos, derrière un bébé. Elle tient tout dans ses pattes. Je vous jure, celle-là. C'est un monstre. Et encore, là, elle râle pas. Quand elle râle sur sa balle, elle fait des bruits bizarres. Enfin, sur son jouet. Ah, je vous jure, celle-là. Bon. Oh, il est vraiment beau, ce masque. Maintenant, je suis désolée, j'aurais dû t'en prendre. Voilà. Bon, moi, j'ai encore des trucs à ranger aussi. Et après la sieste, j'aimerais bien ouais, faire mes petits bricolages là, que j'aimerais bien faire. Parce qu'il faut encore que je tourne avant d'attaquer Halloween. J'ai bah, trois make-up. Le nail art, il faut que j'attende de recevoir les vernis Madame Glam. Le haut tému, il faut que j'attende de recevoir mes commandes tému. Donc il me reste l'alphabet X, Y et Z à tourner.
Allez, je vous spoil. Alphabet X, XO, XO. Alphabet Y, Yeti. Alphabet Z, Zorro. J'hésite entre Zorro et Zèbre, mais j'ai envie de faire un serpent Zorro. Quand ça me toque, hein. Quand j'ai une idée dans la tête, je ne l'ai pas ailleurs. Donc voilà. Allez, sur ce, on suit toujours. Ah, demain, on est déjà vendredi. Mais sur ce, on suit toujours quand même. Alors, il est 9h28 et je n'ai pas arrêté depuis ce matin. J'ai fait mon lave-vaisselle, j'ai fait sortir les chichous. J'ai fini une vidéo. Là, je vais en tourner une autre. J'en ai une autre à terminer. Et voilà. J'ai déjà un programme bien rempli sur ma journée. Ce soir, je fais le live puisque du coup, j'ai été au cinéma hier avec mon frère. Bien le film, alors j'ai pas eu les miquettes. Bon, après, je ne supporte toujours pas la tête de Balak, mais franchement, l'histoire était sympa, vraiment sympa. Georges a fait trois bons, j'étais mort de rire parce que même moi j'ai pas été effrayée. C'était un peu enfin, après, je pense que je regarde trop de films d'horreur, surtout les dossiers Warren, mais du coup, c'était très prévisible l'histoire. J'avais calé presque au début. La chute du film, quoi. Donc voilà. Tout à la fin, on voit que le père Gordon appelle les Warren. Et le père Gordon, je me demande si c'est pas dans. Je crois que c'est Annabelle, que c'est le père Gordon qui les appelle. Je ne sais plus. Alors je ne sais pas si ça veut dire que ça rejoint pour boucler la boucle. Des dossiers Warren, ou si c'est parce qu'il va y avoir une nouvelle histoire avec les Warren, puisque là les Warren ne sont pas dans l'histoire de la nonne, hein. Très peu dans les histoires d'Annabelle aussi d'ailleurs, mais voilà, je ne sais pas ce que ça va donner. Sinon, le film était bien, et j'ai pas eu les miquettes, donc c'est encore mieux. Donc là, je vais clôturer ce vlog. Le planning. Attendez, faut que je prenne la bonne semaine. C'est la bonne semaine. Donc, demain pour vous, lundi, Alphabet Challenge S pour sorcière. Une palette de make-up avec la palette Sirène de Jolie Beauty. Je fais ça avec Manon. Voilà, j'avais très envie de refaire une vidéo avec elle. Alphabet T pour le vendredi pour le Tricoulum. Tricolum, mais Tricoulum, ça me fait rire, ça me fait penser à un sort dans Harry Potter, je sais pas pourquoi. Et samedi, Ultemu, qu'il faut que je monte d'ailleurs, j'ai pas encore monté, et dimanche, le vlog. Et voilà. Et là, je vais tourner, moi, le dernier Alphabet Challenge, le Z. Et pour Halloween, donc c'est pas tout de suite, c'est à partir du 20, mais je vous le dis déjà, du 20 au 31 du coup. Le 20, on commencera avec le live des potions. Voilà, vu que je voulais faire des potions pour les vidéos d'Halloween et que vous vouliez un live où je fais des potions, bah, je me suis dit, on va faire d'une pierre deux coups, je vais faire des live potions d'Halloween. Voilà, comme ça, on se fait un petit live pour entamer la série Halloween. Dedans, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 make-up. Et 1, 2, 3 DIY plus le live potion. Voilà. Donc comme ça, c'est un peu kiff-kiff. C'est un peu moite-moite. J'allais dire mic-mic. Je n'ai pas compris pourquoi j'allais dire ça. Et voilà. Donc j'espère que ça vous plaira. Là, je reçois mes moules de petits gnomes. Je reçois aujourd'hui de chez Temu. Là. Donc demain, je vais certainement faire de la résine. Comme ça, je peux faire mes petits gnomes et je vais, je pense que je vais faire le DIY résine d'Halloween. Comme ça, je fais d'une pierre deux coups aussi. Et peut-être entamer un gugus comme ça d'automne, là, parce qu'on a commandé un. Donc voilà. Bah écoutez, moi, j'ai rien de plus à vous dire. Le planning, c'est fait. Le débrief du film, c'est fait. Donc, j'ai plus qu'à vous dire au revoir. De passer une très 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 bonne semaine.
N'oubliez pas de mettre le pouce en l'air et de vous abonner, ça m'aide toujours autant. Voilà, ça monte. On va bientôt être à 850, ou 4850. Donc on se rapproche des 5000. Peut-être avant la fin de l'année. Qui sait, ça sera un beau cadeau de Noël. Et voilà. La chienne n'a encore rien mangé. Madame fait la difficile. Ce n'est pas sa partie préférée. Donc elle n'a pas mangé. Après, elle n'est pas difficile, elle mange celle du Lidl. Hein. Voilà, c'est sa préférée. Et là, c'était celle du Cora parce qu'on n'a pas pu aller au Lidl. Et elle ne la mange pas. Bref. Donc sur ce, moi, j'ai plus qu'à vous dire bisous.